rythme d'exercice a été conçu par l'équipe de physiothérapie du campus civique de l'Hôpital d'Ottawa. Ce programme ne vise pas à remplacer les conseils ou les soins de votre professionnel de la santé que vous devriez consulter pour savoir si tous ces exercices correspondent à vos besoins. Si vous avez de la douleur ou de l'essoufflement, arrêtez les exercices et consultez votre professionnel de la santé. Bonjour, je m'appelle Joanne. Aujourd'hui, on est rendu à la séance numéro 10. On va refaire de l'aérobie comme on a fait la séance numéro 6. Toujours assis au début, mais aussi on va travailler debout. On va commencer par à bouger les pieds. Vous pouvez être dans le fond de votre chaise ou bien avancer comme vous voulez. Et avec la musique aussi, on bouge les bras et les jambes en même temps. Aussi les mains, les doigts. Et on y va. Et les pieds. Et on roule. Et encore. Avec un bon rythme. Et maintenant, on clappe des mains. Et on regarde en avant. On a une bouteille d'eau aussi, n'oubliez pas. Très important. Surtout quand on bouge beaucoup, on bouge plus vite. Des fois, avec de la musique, c'est entraînant. Et on clappe, on clappe, on clappe. Et on roule, oui. Et on peut être sur le bout des pieds. Et on change. Et mettons, c'est des talons. Synchronisation. Oh oui, hein? Si c'est difficile de synchroniser, faites juste les jambes. Juste les bras. Et après ça, ajouter. Et encore. Encore pour 4. 3. 2. Et maintenant, on rouvre, on ferme les bras. Gardez quand même les mains assez basses. Plus basses que les épaules. Bougez les jambes si vous pouvez. On se réchauffe. Et encore. Les épaules, le dos, la poitrine. On bouge les mains encore. Et 4. Et 3. Et 2. Et maintenant, ok, les poignets, les poignets. Gardez les mains basses. Et on inverse. Et maintenant, on fait des cercles avec les pieds. On commence juste par un pied ici. Chauffer les chevilles. Et maintenant, on inverse. La même chose. Et maintenant, changer de pied. Très important hein, de réchauffer les pieds, les chevilles. Surtout, on va aller debout plus tard. Et maintenant, on inverse. Et maintenant, on continue. OK, on va faire, c'est qu'on va faire des pas de chaque côté. Et comme ça. On pointe. Pointe. Et on fait, on peut faire ici, bras, même jambes.
Même bras, jambes encore. Et pas de chaque côté. 4, 3, 2. Et maintenant, les talons, la poitrine. Ferme, on rouvre, ferme, on rouvre. Et encore. Respirez. Et 4, et 3, et 2, et maintenant, on va d'un côté. On peut même lever une fesse un peu avec le bras droit, la fesse droite, le bras gauche, l'autre fesse, et on lève. On est juste sur le bord de se lever. Et les bras, Vous pouvez lever un talon aussi, si vous désirez. Et on monte, et encore. 4, et 3, et 2, et maintenant on déroule les épaules ici. Et maintenant on va ajouter, oui, les bras pliés avec les coudes. On bouge les bras en même temps. Et 4, et 3, et 2. Et maintenant, on va faire des petits croisés. En même temps, oui. Avec les pieds. Croisés. Descendre, monter. Descendre, monter. Sans les bras, monter. Et encore. Quatre. Et 3, et 2, et maintenant, ok. Tu as besoin de boire de l'eau, oui, avant de se lever. Maintenant, je vais me lever, je vais continuer de bouger. Et si vous êtes, si vous avez besoin de la chaise, vous la gardez très près de vous. Commencez doucement, juste à bouger un peu. Regardez mes pieds. Mes genoux sont légèrement fléchis. Et on continue comme ça. Marchez en place. Les pieds près l'un de l'autre. Et avec un bon rythme de musique. Si vous n'êtes pas exactement sur le même rythme, c'est pas grave. Tant si longtemps que vous bougez, c'est ça le principal. Là, vous allez vérifier mes pieds. Je vais faire le même mouvement, mais je vais aller plus large. Un peu plus large. Vous pouvez être derrière votre chaise aussi, si vous voulez. Vous avez peur de perdre l'équilibre. Vous avez une marchette, la marchette en avant de vous. Et comme vous voyez, je continue. Et 4. Et 3. Et 2. Et maintenant, je reviens. Maintenant, je vais faire ce mouvement-là, mais je vais rajouter les bras. On lève. Vous pouvez voir vos mains. Les bras sont levés, mais ils sont quand même en avant. Et encore. Et bouger. 4. Et 3. Et 2. Et maintenant, on reprend comme ça ici. Et maintenant, ce que je fais des cercles en avant. Et j'ai les pieds écartés. Le beau dos droit, hein? Faut pas oublier ça ici. Et on bouge, on bouge. Et encore. Et 4. Et 3. Et 2, et on change de mouvement. Oh, là, ce que je fais, je pointe mes pieds. Un à la fois. Ce que je vais faire ici, je vais faire un bras. Une légère flexion des genoux dans le centre. Et un bras.
de chaque côté. On le fait assis, ce mouvement. Prends de chaque côté maintenant, et debout. Et debout. Et comme ça. Et on regarde en avant. On regarde en avant, c'est juste haut du corps qui se tourne. Et encore. 4 et 3 et 2. Et maintenant, ce qu'on va faire, des pas de côté, qu'on appelle des step touch. Ce qu'on fait, on pointe les pieds. Et comme ça. 2, step touch. Avec les bras, oui, on rouvre, on ferme. On lève les bras, on ferme. Oui, mes bras sont plus lents que mes pieds. Et encore. Step touch. Lève et encore. On s'amuse. Et encore. Et 4. Et 3. Et 2. Et maintenant, on va changer. On va changer ici ce qu'on va faire. Je vais vous montrer de côté ce qu'on fait. On fait talon-fesse. OK? Donc, les genoux restent au même niveau. OK? On ne lève pas les genoux. On les laisse au même niveau. Faites attention pour ne pas frapper la chaise avec vos pieds. Et ce que je vais faire, je vais rajouter les bras. Je vais pousser en arrière. Je démonte de côté et comme ça. Et encore, avec le rythme de la musique. Talons fesses. On travaille l'arrière des cuisses. Et encore. Vous pouvez toujours aussi faire aussi 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Faites-le. Aussi sans les bras au début, 1 et 2. Vous pouvez toujours ajouter les bras et 2. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Un double. 1 et 2. 1 et 2. Et encore. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Encore pour 4. 3. 2, et on reprend, ok, maintenant, on rouvre, on ferme, on rouvre, c'est, et encore, et 4, et 3, et 2, et maintenant, on revient, et on marche, j'espère que ça va bien, on est presque rendu, oui, au milieu du cours. Encore là, vous pouvez mesurer, OK? Mesurez vos battements de cœur ici, avec le poignet. Si jamais vous avez une montre, Fitbit ou Apple, aussi, vous pouvez le vérifier aussi. C'est comme vous pouvez. Et prendre de l'eau, oui, toujours. Pas nécessairement au milieu du cours, mais lorsque vous êtes déshydraté, n'hésitez pas pendant le cours. On continue. Et on marche. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va lever les genoux. Oh, là, c'est différent. Et on lève les genoux. Rapprochez. Et avec un rythme, vous levez les bras. Ça va bien. Et comme ça, vous avez besoin de tenir la chaise aussi. Vous pouvez vous tenez les deux mains, je le fais, levez les genoux comme ça. Bien, pas de problème, mais toujours à rester près de la chaise. Un genou à la fois. On alterne. Mais maintenant, ce qu'on peut faire, c'est 1 et 2. 1 et 2.
1, mais je ramène mon pied par terre. 1 et 2. 1 et 2. 1. Et plus vous allez lentement, je peux vous dire que c'est plus difficile. Bien qu'à un certain moment, si vous allez très, très lentement, là, ça serait l'équilibre. 1, un double genou. Double genou. Et encore 1 et 2. 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 Et on marche. Marche. Ce qu'on va faire, on va faire des pas de côté. On est fait en simple ici. À droite, à gauche. Maintenant, on va faire deux pas à droite, deux pas à gauche. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah oui, avec les bras, hein, pourquoi pas? 1, 2, 1, 2. Deux pas à droite, deux pas à gauche. Et encore. Et 4, et 3, et 2, et maintenant on revient au centre, encore, on continue de bouger, on n'arrête pas si c'est possible, vous êtes fatigué, prenez une pause, pas de problème et vous revenez où que je suis rendu. Maintenant ce qu'on va faire des petits kicks. Juste lever, juste garder les pieds quand même assez bas, d'un côté à l'autre. On a un léger twist, le haut du corps, et comme ça, et comme ça. On continue, ça va bien. Et encore. Avec la musique, oui. Et 4, et 3, et 2, et maintenant je vais aller sur les talons, et je vais croiser les bras, oui, croiser, et encore, ça réchauffe. Et on continue, lâchez pas, ça va bien. Ça va bien tout le monde, mesdames, messieurs. Pas seulement les dames, les messieurs aussi peuvent. Et 4, et 3, et 2. Et maintenant, je vais faire comme si je faisais des grands cercles en avant de moi. Et encore, oui, des grands cercles. Et encore, encore pour 8, 7, 6, 5, ça fait bouger les épaules, 4, 3, 2, et maintenant, on va twister. Dépendamment de votre plancher, s'il n'est pas trop glissant, votre plancher, juste bouger les hanches comme ça ici. Et c'est correct, vérifiez votre plancher s'il n'est pas trop collant. Ce que je fais, je lève les talons et je bouge. On l'a fait assis aussi auparavant. On le fait debout, ça va bien. Beaucoup mieux qu'assis. Fait qu'on peut. Et les bras, pour continuer de bouger. Et encore. Travailler la taille aussi, oui. Et encore. Et encore pour 4. Et 3, oups. Et 2. OK. Et on bouge encore les bras. On va juste marcher. Et encore, 4, 3, 2,
Et ce qu'on peut faire aussi, on peut 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. Juste avancer un petit peu. Ce que je fais, 3 pas en avant. Tap. 3 pas en arrière. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et encore. Ah, ça va bien, ça va bien. Encore. Encore pour 4. 3. 2. Et on revient. On revient ici. En marche. Et on rouvre. Et ce qu'on va faire, on va aller d'un côté à l'autre. Un côté à l'autre. Et comme ça. Et avec les bras. Et vous regardez en avant de vous. En avant de vous. Pourquoi je dis ça, en avant de vous? Pour ne pas se sentir étourdi. Si vous tournez la tête trop vite, vous pouvez perdre l'équilibre. Donc, regardez en avant. Fixez quelque chose en avant. Et vous continuez de plier légèrement un genou. Dépliez l'autre. Et 4. Et 3. Et 2. Et maintenant, je reviens. Je ralentis. Oui. Je ralentis. Oups. Ralentis mon pas. Regardez mes pieds. Ça fait moins de bruit. Et encore. 4. 3. 2. Et maintenant, on étire. On étire ici. Et maintenant, on peut aller comme ça ici. On l'a fait assis auparavant, cet exercice. Mais là, avec debout, vous allez sentir plus l'étirement. Et ça travaille aussi les abdominaux. Et encore 4. 3. 2. Et on tient d'un côté. Et de l'autre. On revient au centre. On plie, on déplie. Et on bouge aussi les épaules. Les épaules. On ralentit toujours. Quatre, et 3, et 2, et maintenant on sort, on remonte, et 4, et 3, et 2, et maintenant on monte, on lève les bras, on regarde en avant, et maintenant on abaisse les bras, on utilise la chaise, on finit le cours en s'assoyant. Et comme ça. Et j'espère que ça a bien été. On va étirer les jambes. Et on continue de bouger, hein? On continue toujours de bouger ici. Et on tient une jambe tendue. On a le dos droit. On tient la jambe tendue. Et on relâche. Et l'autre jambe, la même chose. Et on revient. Les talons ici. Les mollets. On est sur un talon ici. Et la jambe, OK, est tendue. Et on se penche en avant. Vous pouvez aussi aller plus loin. Attention, si vous faites cet exercice, si vous voulez tenir les orteils, ça ne doit pas être difficile sans forcer dans le dos. Et on change. La même chose ici. Vous tenez comme ça. Levez les orteils, très important. Sentez le mollet. Tenez la chaise ou bien les pattes de chaise, dépendamment.
de la forme de votre chaise, comme ça ici, ou si vous pouvez, allez toucher. Et on revient. Travaillez le flexeur de la hanche et le devant de la cuisse. Mais d'un côté, la jambe 90 degrés. Épaule, hanche bien alignée. Et maintenant, on change. Doucement, tenez toujours la chaise. Étirez ici le devant de la cuisse, flexeur de la hanche. Regardez en avant de vous. Et on revient. Et maintenant, la poitrine, le devant des épaules. Abaissez le menton un peu. Baissez vos mains un peu aussi. Et maintenant, l'arrière. L'arrière de l'épaule, le haut du dos. J'ai mon bras droit au-dessus de mon... Non, mon bras gauche, je veux dire. Au-dessus et mon bras droit en dessous. Et vous tirez vers vous. Si vous avez besoin de plier le coude, vous le faites. Et on change. Regardez en avant de vous. Le bras gauche plié. Et le bras droit au-dessus. Vous pouvez le plier aussi à la fin. Ouvrez encore et donnez-vous une belle caresse. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a bien été. Et au revoir et on se revoit à la prochaine. Merci.